Rapidsy, nous sommes une filiale de Bouygues Télécom. Nous sommes un éditeur de logiciels spécialisé dans la communication vidéo pour les métiers de la relation client. Pourquoi on est là aujourd'hui sur le stand du groupe Bouygues lors de Vivatech? Si vous parlez d'un projet innovant dans la santé connectée, c'est ce qu'on appelle le projet de télé-rééducation. Concrètement, le projet, il vise à créer une solution qui allie à la fois la possibilité de faire une rééducation autonome par le patient à son domicile et la prise en charge par un spécialiste à distance. La mise en place de cette solution, elle repose sur plusieurs technologies. La première chose, c'est d'avoir un moteur qui permet en fait de capter les mouvements en temps réel avec une simple caméra de profondeur. La deuxième, c'est la production d'un avatar corps entier du patient en temps réel, immergé dans un environnement virtuel. Et puis la troisième technologie, c'est celle d'une visioconférence sécurisée. Donc la combinaison des trois permet concrètement à un professionnel de santé de prendre en charge et de suivre le parcours de rééducation d'un patient à distance et de pouvoir interagir avec lui, suivre les mouvements, le guider pour réaliser les bons gestes. De son côté, le patient peut soit travailler de manière autonome lorsqu'il n'est pas connecté et suivre des parcours de rééducation, soit lorsqu'il est connecté avec le professionnel de santé, suivre ses indications. La solution aujourd'hui, elle a été validée d'un point de vue concept par des professionnels de la santé. Ça a permis de valider également les performances attendues et ça a permis également de s'assurer de la bonne sécurisation du patient, notamment en termes de prise en charge du bon sentiment d'équilibre dans un monde immersif. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom.